je chanterai. C'est pour cela qu'il nous a envoyé. That's why he sent us. Son serviteur. His servant. Apôtre Douglas. Apostle Douglas. Merci beaucoup, Apôtre Douglas. Thank you so much, Apostle Douglas. D'avoir accepté notre invitation. For accepting our invitation. Nous bénissons l'Éternel Dieu. We bless the Lord God. C'est là où notre papa, Docteur Michaud, a passé pendant une semaine. Went and spent a week il a prêché là-bas. Dr. Michaud preached. Et puis il a vendu there. Aussi son livre là-bas. And he also sold his book. Merci beaucoup. Parce qu'il m'a dit, il était tellement béni. Thank you so much for he said he was truly blessed. Il était tellement béni. He was blessed. Il a dit que. He also said. Il a même aidé pour que ce livre soit vendu. You helped him so that his book may be sold fast. Il a même dit. You even said. À l'assemblée. To the assembly. Celui qui n'a pas l'argent vient, moi je vais te donner l'argent. The one that doesn't have money, come, afin I'll que give tu puisses acheter le livre. So that you may buy the book. Et le docteur Michaud a continué son voyage main vide. And Dr. Michaud went back il empty-handed. Avait plus de livres. He had no more books. Amen. Amen. Glory to God. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Can we clap for the Lord? Alors, avant de faire monter apôtre Douglas, before we call the apostle to come on moi aussi je vais faire comme lui a fait à mon papa Michaud. Me as well, I'm going to do parce qu'il like est venu aussi Michaud. Avec son livre. For he also came with his own book. Amen. Amen. Il est venu aussi avec son livre. The apostle came with his own book. Son église a béni notre papa. His church blessed our ils father. Ont acheté tous les livres. They bought all the books. Et moi j'ai déjà mon livre ici. And he already has his la séduction spirituelle. Spiritual seduction. Je n'ai pas encore lu ça, mais le thème déjà, wow. I haven't read it, but the theme already, parce wow. Que je ne veux pas être séduit spirituellement. Because I don't want to be seduced spiritually. Amen. Amen. Donc lui-même, pendant qu'il va parler, et puis il va parler aussi de son livre. When the apostle will preach, he'll speak alors, about his book. Alors sans plus tarder, so without further ado, pendant que nous acclamons Jésus, as we clap for j'invite Jesus, apôtre Douglas, I would like to invite the apostle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the powerful name of Jesus Christ. Gloire à Dieu. Glory be to God. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Please, if you may take your seats in his presence. Je voudrais rendre grâce à Dieu. I would like to thank the Lord. Pour ce merveilleux moment. For these moments. Qui nous permet de passer dans sa présence. That he is allowing us to spend in his presence. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant tout ce temps de jeûne et prière. I bless the Lord for what he has done during this fasting and prayer. Et nous croyons juste que nous allons apporter juste une pierre à l'édifice. And we believe that we brought Jesus Christ. Et un grand merci aussi à mon frère, le Dr. Michaud, son épouse qui ne sont pas là. I also want to thank Dr. Michaud and his spouse that are not here. Et pour la confiance et merci beaucoup au pasteur Harry. For the trust, thank you to Pastor Harry. Ainsi que son épouse. As well as his spouse. Et à tous les serviteurs de Dieu qui sont dans cette maison. To all the servants of God who are in this place. Et à vous tous qui êtes là, qui faites un merveilleux travail. You who do a wonderful work. Alors je me dis avec ce froid, voir les bien-aimés venir chercher Dieu, c'est que vous aimez vraiment. I was telling myself with the cold outside, you coming to seek the Lord, you must love God. Je vous assure, il fait vraiment froid. Hein? It's so cold outside. Enfin, vous êtes Canadiens, mais pour nous, you guys are Canadians, but for us, c'est chaud. It's hot. Mais bon, Jésus est Seigneur. But the Lord is God. Assis sur son trône. Sitting on his throne. Est-ce que le pianiste peut juste m'accompagner? J'aime bien t'accompagner, si c'est possible. Merci. Comme le pasteur Harry le disait tout à l'heure. Like Pastor Harry said earlier. La dernière fois quand j'ai prêché, je crois, j'avais présenté le tome 1 du livre. Last time when I preached, I presented a book. Celui-ci c'est le tome 2. And this is the second book. Et qui nous parle de surtout de l'esprit de Jézabel. It speaks about the spirit of Jezebel. Et nous parle aussi la prostitution spirituelle. And the book speaks of spiritual prostitution. Nous sommes vraiment en train de vivre ces choses malheureusement. We are living these things right now. Et c'est un livre d'instruction mais aussi d'information. It's a book of information and instructions. Il va détecter un peu les stratagèmes du diable. It will help you to detect the strategies of the devil. Et nous aider à pouvoir ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. And help us not to fall in the traps of the enemy. Amen. Amen. Père, nous bénissons ton nom. Lord, we bless your name. Pour ce merveilleux moment. For these wonderful moments. Je demande ta grâce. I ask for your grace. Je demande ton onction. I ask for your anointing. Que tu ointes ta parole, Seigneur. May you anoint your word. Qu'elle nous apporte la vie. May it bring us life. Pour ce merveilleux thème qui est abordé. In this wonderful theme.
Aide-nous, Seigneur. Help us, God. Apporter une pierre à l'édifice. To bring a stone. Et que nos regards soient tournés vers toi. And may our eyes be turned towards you. Que tu fasses ce que tu as prévu de faire. And may you do what you plan to do. Au nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus. Bénis ce moment, Seigneur. Bless this moment, God. Ouvre-nous par l'ombre de ta main, Seigneur. Cover us by your hand. Visite-nous, ô Dieu. Visit us, O God. Ouvre le ciel, Seigneur. Open the floodgates of heaven. Que ta grâce soit répandue. May your grace be spread. Nous comptons sur ta grâce. We count on your grace. Nous voulons sortir de ce lieu avec un plus. We want to leave this place with a plus. Venant de toi. Coming from you. Nous avons soif de toi. We thirst for you. Nous avons faim de toi. We long for you. Aide-nous, Seigneur. Help us, God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaumes au chapitre 25. We're in the book of Psalms, chapter 25. Il y a notre texte de base. This is a scripture, a base scripture for this 21 day of fasting. Nous allons lire à partir du premier verset. We're going to read from the first verse. Jusqu'au verset 5. Till the fifth verse. Psaume de David. Psalms of David. Éternel, je lève à toi mon âme. To you, O Lord, I lift up my soul. Mon Dieu, en toi je me confie. Oh my God, in you I trust. Et que je ne sois pas couvert de honte. Let me not be put to shame. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Let not my enemies exult over me. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. None who wait for you shall be put to shame. Ceux-là qui seront confondus. Who are wrongly and treacherous? Qui sont infidèles et sans cause. Wrongly and treacherous. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Make me to know your ways. Enseigne-moi tes sentiers. Teach me your paths. Et conduis-moi dans ta vérité. Lead me in your truth. Et instruis-moi. And teach me. Car tu es le Dieu de mon salut. For you are the God of my salvation. Et tu es toujours mon espérance. For I wait all day long. Ce texte, c'est le texte de base de ce temps de jeûne et prière. This verse is the scripture is what we're using for this et time of fasting and prayer. J'apporterai un sous-thème aujourd'hui, demain, and par I would la like grâce to bring de a sub-theme by the grace of God. Sur la révélation du mystère de Jésus-Christ. On the revelation of the mystery of God. Pourquoi la révélation du mystère de Jésus-Christ? Why the revelation and the mystery? Tout simplement parce qu'il est question de lui. Simply because it's about him. Nous allons placer notre confiance en Jésus. We're placing our trust in Jesus. Et ce Jésus dans la Bible, and this Jesus in the Bible, il était un mystère. He was a mystery. Et avant d'aller plus loin, before we go further, nous voulons comprendre d'abord, étudier un peu ce psaume rapidement. We want to study and understand this nous savons psalm. Que c'est David qui a composé ce psaume. We know that David wrote this et les psaumes étaient des hymnes. And the psalms, c'était des hymnes ou des cantiques inspirés. It was songs that were inspired. C'était l'expression des cœurs d'un adorateur. It was the expression of the heart of a worshipper. David était un chantre agréable à l'Éternel. And David was a singer to the Lord. Lui-même dira des paroles pleines de chants bouillant dans mon cœur. He was singing many songs. Et il dira mon œuvre pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. He would say let my tongue be like a pen. Et David était un homme de Dieu. And David was a man of God. Le roi d'Israël. The king of Israel. Le roi le plus élevé d'Israël. The king that was the most lifted in Israel. Il était élevé sur le plan spirituel. He was lifted up on the spiritual plan. Il était élevé aussi sur le plan social. He was also lifted up in a social plan. Élevé sur le plan économique. Lifted up in the economy. Il était élevé sur le plan politique. He was lifted up by the productive plan. Il était aussi sur le plan militaire. He was also in the army. C'était un homme de guerre. He was a man of war. Vous connaissez un peu son histoire. So you know a little bit of story of David. Il avait réussi à terrasser Goliath. He was able to make David fall. C'était un héros. He was a hero. C'était quelqu'un qui était fort. He was someone who was strong. Il pouvait se confier en lui-même. He was able to trust in himself. Il pouvait se confier en sa capacité. He was able to trust in his abilities. En sa force. To his strength. À ses exploits. To what he knows. Mais il a dit non. But he said no. Je ne me confie pas en ces choses. I don't trust à in those expériences. Things. I can't trust à in my experiences. Acquis. I can't trust in what I have. J'ai pu avoir. To the things that I was able to get. Aux choses auxquelles je suis capable de faire. Or to the things that I'm able to Mais do. Je me confie en l'Éternel. But David said I will trust in the Lord. Y a-t-il quelqu'un qui veut se confier en l'Éternel? Is there someone who wants to trust in the Lord? Et nous pouvons aussi le faire. If David trusted in the Lord, we can Alléluia. Do it as well. Amen. Et la Bible dit qu'il était le roi le plus élevé de la terre. And Bible says he was the king that was lifted up on high. Psalm 89 le dit. Psalms 84 says. Mais David était aussi un prophète. David was as well a prophet. Et un prophète c'était un porte-parole de Dieu. A prophet was someone who spoke on behalf un of God. Un prophète c'était quelqu'un qui était en avance par rapport à son époque. A prophet was someone who preceded. Il pouvait voir plus loin. He was able to see far. Il pouvait vivre plus loin, mais en étant dans son époque. He was able to live in the future, but remaining c'est in the present. C'est un peu ce qui est difficile avec quelqu'un qui vit dans le prophétique. That's a little bit hard for someone who lives in the il prophetic. Il n'est pas de notre temps. He's not in our time. Il voit les choses à l'avance. He sees things in il advance. Il vit à l'avance. He lives in advance. Et c'est le cas de David. And that is the case of David. Il pouvait même prophétiser sur Christ. That's how David could prophesy on Christ. En disant, le Seigneur dit à son Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que le fasse de tes ennemis tombe.
marche-pied. Saying the Lord sits on my right until your enemies fall before your face. Prophétiquement, il annonçait des choses. Prophetically, David was announcing et ce things. Psaume aussi est un psaume prophétique. And this psalm is a prophetic psalm. Pour nous montrer sur qui nous devons placer notre confiance. To show us to whom we have to place our trust. Et nous verrons cela aujourd'hui et demain. And we'll see that today and tomorrow as Alléluia. Well. Amen. Et dit vers toi, je lève mon âme. David said to you, I lift up my soul. Vers toi, je me confie. To you, I trust. Et la conséquence. And the consequence. Nous retrouvons cela dans le verset 4. We see it in verse 4. Et dit, quand je mets ma confiance en toi, David says, when I trust je ne serai pas dans la confusion. I will not be put to shame. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas être dans la confusion. I came to tell someone, you can't be et confusion. Si tu es dans la confusion aujourd'hui, ta confusion prendra fin au nom de and Jésus. Confusion today, your confusion parce will que tu ne peux pas mettre ta confiance en Dieu et rester confus. For you can't place your trust in God and remain tu in confusion. Ne seras pas dans la honte. You will not be put to shame. Tu ne seras plus dans la détresse. You won't be in distress. Tu ne seras plus désemparé. You won't be in shame. Car l'Éternel est ton secours. For the Lord is your help. Et le secret de David, and the secret of David se trouve dans le verset 4. Is found in verse regardez rapidement 3. Ce qu'il dit. Il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Verse 4, make me to know your ways. Enseigne-moi tes sentiers. Teach me your path. Conduis-moi dans ta vérité. Lead me in your truth. Et instruis-moi. And teach me. Car tu es le Dieu de mon salut. For you are the God of il my salvation. Il dit, fais-moi connaître tes David voies. Speaks of four things. Donc let me il est see question ici de la connaissance de Dieu. This was for the knowledge of God. Or, la connaissance de Dieu vient de Dieu lui-même. The knowledge of God comes from him personne and from God himself. Ne peut connaître Dieu avec son intellect. No one can understand God by their pour intellect. Connaître Dieu, tu as besoin de la révélation. To know God, you need of the revelation. Dieu ne s'étudie pas. God doesn't study mais himself. Dieu se révèle. God reveals himself. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Can I speak to someone? Il dit, enseigne-moi tes sentiers. Teach me il est path. Question de l'enseignement de Dieu. It's a question of teaching. Que pendant ce temps, Dieu t'enseigne. During this moment, God que is teaching le Saint-Esprit, you. Le meilleur enseignant, vient t'enseigner. Let the Holy Spirit, the best teacher, come to teach you. Conduis-moi dans ta vérité. David says, lead me in your la truth. Conduite selon la parole de Dieu. To be led by the word of God. Et puis il dit, instruis-moi. And David said, instruct me. Alléluia. Amen. Dans Psaume 32, il a dit, instruis-moi. Dieu dit, je t'instruirai. God said, I will instruct et je te montrerai la voie que tu dois suivre. And I will show you the ways you must follow. Pourquoi? Why? Parce que plus tu connais Dieu. Because the more you know about God, plus tu peux te confier en lui. The more you can trust in him. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se confier en Dieu. There are people who aren't able to parce qu'ils ne le connaissent pas. Or they don't know him. Tu penses le connaître. You think you know mais en him. Réalité, tu ne le connais but pas. In reality, you don't et know ma prière him. Est que pendant ce temps, my prayers are during que moment, le Seigneur se révèle à toi the Lord reveal dans une autre to you, façon, in another dans way, une autre dimension, in another dimension, pour que tu mettes ta confiance en lui. So that you may place your trust parce que in si God. Les hommes connaissaient Dieu, for if men knew God, ils n'abandonneraient jamais Dieu. They would never forsake God. Jamais vers les idoles. They would have never went to the c'est idols. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. It's because people don't know God. Si certaines personnes connaissaient Dieu, a few people knew ils God. Ils auraient su que l'endroit où il faudrait être c'est dans la présence de Dieu. They should have known that the best place to be is et in the presence non of ailleurs. God. And not elsewhere. Donc la confiance en Dieu. So the trust in c'est God. La conséquence. It's the consequence. La connaissance de Dieu. Of the knowledge of God. Oh, pour que Dieu, pour que tu puisses connaître Dieu. For you to know God. Il faut que Dieu se révèle à toi. God must reveal himself pourquoi? To you. Why? Parce que Dieu est un Dieu de mystère. For God is a God of mysteries. La Bible dit dans Isaïe 45, Dieu s'entoure de mystères. Bible says that God surrounds himself with mysteries. D'où la révélation. All revelation. On ne peut pas parler de révélation. We can't speak of revelation. S'il n'y a pas de mystère. If there's no mysteries. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de la révélation. You're in need of revelation. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de la révélation. Turn to your neighbor, tell him you're in need of revelation. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2. Colossians 2. Colossiens 2, le verset 1er au verset 3. Il est dit ceci, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, namely Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » La Bible nous présente ici the Bible is presenting us here. Christ comme étant le mystère de Dieu. As being the mystery of God. Et pour connaître ce mystère, and to understand this il faut mystery, recevoir au préalable de Dieu you need to receive une intelligence. And a knowledge. Mais pas une intelligence naturelle. Not just a natural une intelligence knowledge, surnaturelle. But a supernatural une intelligence knowledge. Qui vient de l'Esprit de Dieu. An intelligence that comes parce from the Spirit of l'intelligence for the Spirit is the Spirit of intelligence. Connaître he will help you to le know mystère de Dieu the mystery of God. Christ, which is Christ. Et connaître le mystère de Dieu. And to know the mystery connaître of God.
Christ, to know Christ, c'est la source de toute richesse. It's the source of all wealth. C'est-à-dire si tu veux connaître la joie, this means if you want to know si joy, tu veux connaître la paix, you want to know peace, si tu veux être en sécurité, you want, if you want si to be tu security, veux apprendre à avoir de Dieu tout ce que Dieu avait réservé pour toi, if you want to have what God has reserved un for you, seul secret, one secret, connais Jésus, know Jesus Christ, connais Jésus, know Jesus. Et l'Église du 21e siècle, and the church of the 21st century, a du mal ou n'arrive pas à connaître Jésus. They're not able to know Jesus. Ma prière est que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions connaître qui est ce Jésus. Tu peux venir à l'église mais sans connaître Dieu. Tu peux chanter sans connaître Dieu. Tu peux servir Dieu sans le connaître. Tu peux adorer Dieu sans le connaître. Comme Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Que Dieu nous donne la révélation pour que nous puissions connaître ce Dieu. Afin que notre vie change. Je dis afin que notre vie, I will say so that our lives may change. Christ est un mystère. Christ is a mystery. Parce que Dieu est un mystère. For God is a mystery. Qu'est-ce qu'un mystère? What is a mystery? Un mystère est une vérité. A mystery is a truth. Qui est caché. That is hidden. Et qui est amené à être révélé. And that is to come to revelation. Deutéronome 29. Deuteronomy 29. Verset 29. The verse 29. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Bible says that the hidden things are for the Lord. Et les choses révélées sont à nous. And the things that are revealed quand are for us. On parle des choses cachées. We're speaking about hidden on parle things. Des mystères. We speak about mysteries. Et Dieu s'entoure de plus beaucoup de mystères. And God surrounds himself with many mysteries. Dans Proverbe 25 verset 2, il est dit. Proverbs 25, he says. Que la gloire de Dieu, that the glory of God, c'est de cacher les choses. It's to hide things. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. This is what makes God God. C'est que Dieu reste un mystère. Is that God remains a mystery. Même quand nous allons essayer de le connaître, even when we're going to try to know him, il restera toujours un mystère. He will remain a mystery. Autrement dit, même les anges cesseraient de l'adorer. Otherwise, says the angels can't worship him. Parce que à chaque fois les anges de Dieu au ciel, because every time the angels of God in heaven, depuis qu'ils ont été créés, ever since they were created, adorent Dieu, they're worshiping et sont God, émerveillés par Dieu, and they're astonished parce by parce que à chaque fois qu'ils se révèlent à lui, because à eux, every time God reveals himself ils sont to the angels, émerveillés. They're marveled. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Someone didn't understand me. Mon frère, ma soeur, my brother, my sister, quand tu vois la même chose tout le temps, when you see the same thing every day, tu risques de t'ennuyer. You're going to get bored. Vrai ou faux? True c'est pourquoi not. Certains même pensent qu'au ciel on va s'ennuyer. I tell people that we're going to get bored when we get to heaven. On s'ennuiera pas au ciel. I came to tell someone we're not going to be parce bored in heaven. Parce que le jour tu vas découvrir Dieu for the day you will see dans God un angle, in another angle, tu vas dire, oh, you're going to see why. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Why he's so wonderful. Saint. Holy. Saint. Holy. Et l'Éternel des armées. Is the Lord Almighty. Et quand il découvre un aspect, and when you discover Dieu an aspect, a caché un autre aspect, God will hide another il va aspect, encore se révéler d'une autre manière. Et nous irons de révélation en révélation d'éternité. From eternity to eternity. Que Dieu se révèle à quelqu'un. May God reveal himself que Dieu révèle à cette église. May God reveal himself que Dieu church se révèle à son peuple. May God reveal himself to his people. Et la force de l'église and the strength of the church vient de la révélation. Comes by the revelation. Oh, je parlerai peut-être le dimanche I might speak of it on Sunday sur les bénéfices de la révélation. On the benefits of the tu vas comprendre qu'être quelqu'un de révélé, quand tu as la révélation, when you have the revelation, tu as l'information. You have the information. Et quand tu as l'information, and when you have the information, tu as le pouvoir. You have the power. Et quand tu as le pouvoir, and when you have the power, rien de personne ne peut t'arrêter. Nothing, no one can stop. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Am I speaking to someone? C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, us, nous sommes spéciaux. Non, 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 nous sommes spéciaux. Alors que les gens du monde pensent qu'ils nous ont dépassés. Mais nous, us, nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de révélation. Qui nous révèle les mystères cachés the de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit says, les dominations the domination et les autorités and the dans le lieu céleste in the heavenly places connaissent par l'Église. They're known by the church. Je ne parle pas du bâtiment. Je parle de toi. Connaisse par l'Église la sagesse, the wisdom, infiniment, the wisdom variée de Dieu. Of the varies of God. Amen. Amen. L'intelligence, knowledge. Vous pouvez vous imaginer l'intelligence que j'ai. Amen. You can imagine the knowledge that I have. Pourquoi? Why? Il faut connaître Christ. Must we know Christ? Parce qu'il est un mystère. Because he's a mystery. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 3. Ephesians 3. Ephésiens 3. Ephesians 3. Regardez avec moi le verset premier. We're going to read the first verse. Verset 3, pardon. Verse 3, sorry. Jusqu'au verset 5. Till verse 5. Paul dit ceci. Paul says this. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence
que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. By the Spirit of God's holy apostles and prophets. Amen. Amen. Paul a eu la révélation. Paul had the revelation. Alors c'est quoi le mot révélation? What is the word revelation? Révélation. Revelation vient du mot grec apocalypsis. Comes from the word Greek apocalypsis. Qui signifie littéralement, which means, action de dévoiler. Action de dévoiler. To take away the veil. Quand tu n'as pas la révélation, when you don't have the revelation, il y a un voile sur toi. There's a veil upon tu you. Ne peux pas voir. You're unable to il y a see. Comme les écailles dans tes yeux. There's a veil over your eyes. Il y a des choses qui sont cachées, floues. There are things that are hidden, mais lorsque blurry. Tu as la révélation, but once you get the revelation, le voile est ôté. The veil is removed. Le voile est enlevé. The veil and the scales fall. Et c'était le cas de Paul. And that was the case of le Paul. Le jour où Paul a rencontré Jésus, that when Paul met Christ, il est devenu aveugle. He became blind. Après trois jours, after three de days, prière, of prayer, lorsqu'Ananas a prié pour lui, when Ananias prayed for him, ses yeux se sont ouverts. Bible says Paul's eyes were opened. Ils sont tombés les and yeux. And the scales fell from his Dieu eyes. Que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. May God open que Dieu ouvre les yeux spirituels de quelqu'un. May God open the spiritual eyes of someone. Connaître le secret so de son bonheur. To know the secret of his happiness, which is Jesus Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Action d'enlever le voile. To remove the veil. Enlever l'ignorance. To remove ignorance. Vous ne pouvez pas connaître Christ. You can't know Christ. Quand il y a le voile. When you have the veil. Amen. 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 Romains chapitre 15. Romans 15. Romains 16 plutôt. Romans chapter 16. Le verset 25 au verset 27. Verse 25 to 27. Regardez ce que Paul nous dit encore. Let's see what Paul tells us once more. Il dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et selon la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, le seul sage, soit la gloire au siècle de siècles par Jésus-Christ. Amen. Through Jesus Christ. Et là, on nous parle encore. And there Paul speaks que, to us again. Christ, that Christ était un mystère, was a mystery. Mais qui était caché, but that was hidden. Dans plusieurs âges. In many ages. Dans les siècles. In many pendant centuries, un temps. From time, Christ a été un mystère. Christ has been a donc mystery. Nous voyons le mystère dévoilé. So we see the revealed dans mystery. Dans le Nouveau Testament. In the New Testament. Mais Christ, but Christ a toujours été là. Has always been depuis there. Depuis le commencement. Since the start. Mais il était mystérieux. But he was a mystery. Mais David était prophète. But David was a donc, prophet. Il dit le Dieu en qui je me confie. So when David said, il voyait au-delà du voile. He saw further than the veil. Il voyait au-delà du voile. He saw further than the veil. Il voyait au-delà du voile. He saw further than the veil. La raison pour laquelle reason il why. Pouvait terrasser Goliath. David was able to kill Goliath. Parce qu'il n'était pas seul. Because he knew he wasn't alone. Il dit à Goliath, David toi tu marches contre moi. You come against avec la lance et le javelot. With your mais spears. Moi je marche contre but toi. Au you. Nom de l'Éternel. In the name of the une Lord. Seule pierre one rock suffisait pour terrasser le géant. To make the oh, Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'homme. He became the cornerstone. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je parle de la révélation. That's why I speak of revelation. David avait la révélation. David had the revelation. Et Christ était un mystère. And Christ was a mystery. Et nous allons essayer de voir. And we're going to try and understand. À la suite. Afterwards. Quel a été le parcours de ce mystère? What was the walk of that mystery? Dans les âges passés. During the ages that ou encore dans les dispensations passées. Or maybe in the past ages. Cela a été scellé. It was sealed. Rappelez-vous ce que tu as dit au prophète Daniel. Remember what God said to the prophet Qu'est-ce Daniel. Que tu as dit à Daniel? What did God tell Daniel? Il dit tiens ces paroles secrètes. He said hold on to the secret words. Scelle le livre. Seal the book. Jusqu'au temps de la fin. Until the day of the ages. Et le temps de la fin commençait quand? But it's at the end of time. When did it start? À la naissance de l'église. When the church quand was born. Quand Jésus est venu. When Jesus came. La Bible dit quoi? Bible says. Hébreux chapitre 1er. In Hebrews, the book of Hebrews. Il a dit quoi? Bible says. Il a dit après avoir autrefois parlé à nos pères. He said after speaking to our fathers. Of many, in many ways. Et de plusieurs fois, and plusieurs many reprises. Times. Dieu dans ce temps de la fin par les prophètes bien sûr. God in the end of time by the prophets. Dieu dans ce temps de la fin. God is in the end of time. Nous a parlé par le Fils. Spoke to us through donc the quand Son. Quand le Fils est venu parler au monde. When the Son came to speak to the world. C'était déjà le temps de la fin. It was already the end of time. Or Dieu avait dit à Daniel. But David told him. Scelle ces paroles. Hold on to these words. Jusqu'à la fin des temps. Until the end of time. Jusque dans les derniers jours. Until the end of days. À la fin des temps, la connaissance augmentera. The end of days, the knowledge will increase. Tu n'as plus de raison de ne pas te confier en Dieu. You have no reason to not trust in God. Avant Jésus, on pouvait comprendre certaines personnes qui étaient idolâtres. Before we can
le sang de people who are adulterers. Tu n'as pas le droit. But today you have no right. Hallelujah. Amen. Si tu veux vivre une vie percée, if you, une vie de victoire, if you want to live a life of victory and a breakthrough, tu as besoin de connaître qui est Jésus pour toi. You must know who Christ is. Aujourd'hui, today, cela n'est plus caché. It is no longer hidden. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alors pourquoi? So why? Est-il important, is it important de connaître to know le mystère de Christ? The mystery of Christ. Voyons un peu dans la Bible. Let's see in the Bible. Aujourd'hui, je vais toucher juste deux aspects. Today, I just want to touch on two aspects. À cause du temps, demain, je parlerai des autres aspects. Tomorrow, I shall speak on other aspects. Dieu le permet. If God allows. Regardons ensemble. Let's look together. Nous allons lire dans la Bible. We're going to read in le the Bible. Le parcours de ce mystère. The way this mystery came la Bible, about. And in the Bible. Quand je parle de la Bible, je parle de l'Écriture. When I speak of the Bible, I speak of the Word. Composé de la loi des prophètes et des psaumes. That was established on the prophets and the laws of the. Nous voyons plusieurs psalms. Typologies de Christ. We see many types. Et nous voyons plusieurs choses qui préfiguraient Christ également. And we see many things that explain Christ. Et nous voyons Christ. Aussi comment on appelle ça des individus ou des personnages qui étaient aussi des types de Christ. And we see people who are types of Christ. Alors, je vais parler d'abord de la première caractéristique. I'm going to speak on the first characteristic. Dans Genèse chapitre 1er. In Genesis. Chapter 1. Prenez avec moi Genèse chapitre 1er. Genesis 1. Nous lisons le verset 1er au verset 3. We're reading the first verse to the third verse. C'est un texte que nous connaissons. This is a scripture that we know very well. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created the heavens and the earth. Et la terre était informe et vide. Now the earth was formless and empty. Et il y avait des ténèbres. Darkness. Sur la surface de l'abîme. Was over the surface of et l'Esprit the deep. De Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And the Spirit of God was hovering over the et water. Dit, and God said, que la lumière soit. Let there be light. Et la lumière fut. And there was light. On nous dit au commencement. They're telling us, the Bible says on at the beginning. Dieu. We're presenting God. Elohim. Elohim. Nous voyons la divinité. We see the divinity. Révélée. Revealed. Ou encore la Trinité. Or the Trinity. Le Père. The Father. Le Fils. The Son. Le Saint-Esprit. And the Holy Spirit. Un seul Dieu. But one God. Un Dieu unique. A unique qui God. Qui se révèle. But that is revealed. Qui crée. Who He creates. Il n'y a pas trois dieux. There's not three gods. Un seul Dieu. One God. Qui reste mystérieux. Who remains a mystery. Mais qui agit dans l'unicité. But who is acting in unison. God created the heavens et la terre. And the earth. Quelque chose s'est passé. Something happened. Il y a eu des ténèbres. There were darkness. Le chaos. Darkness. À chaque fois qu'on parle des ténèbres, every time we speak of darkness, on parle de la confusion. We speak of confusion. On parle de la honte. We speak of shame. On parle des problèmes. We speak of problems. On parle de chaos. We speak of chaos. On parle de maladies. We speak of de illness. Toutes les choses négatives. All negative things. Que le monde, that's the world, que les hommes of man peuvent connaître, can know. La Bible appelle ça les ténèbres. The Bible is calling it darkness. Parce que les ténèbres, for darkness. It's the contrary la lumière, of the light, qui est Dieu. Which is God. La lumière dans la Bible, the light in the Bible has nothing avec to le do soleil, with the sun, avec la lune, with the moon, et les étoiles. And with the stars. Et la Bible nous dit, and Bible tells us, Dieu dit God says, que la lumière soit, let there be light, et la lumière fut. And there was light. Laissez-moi vous dire, let me tell you, la lumière ici, the light which ce n'est pas Bible, le soleil. It's not the sun, parce que le soleil because the sun a été créé was created le quatrième jour. Mais ici, nous sommes right au premier jour, Dieu dit la lumière God soit. Says, let there be Dieu light. N'a pas créé la lumière, light, mais il a appelé la lumière. But he called the light. Non, tu n'as pas bien compris. No, you didn't understand. Dieu, tu n'as pas bien compris. You didn't understand. Dieu appelle la lumière. God called the comme light. Si la lumière était une personne. As if the light was a que person. La lumière soit. Let there be light. Et la lumière fut. And there was light. Je suis venu te dire, le Dieu you. En qui nous devons nous confier, the God in which we must c'est trust. La lumière. Is the la lumière de ta vie. The light of la your lumière life. De ta famille. The light of your la lumière de tes projets. Isaac, il s'appelle Jésus. Je croyais que j'étais à Sénat. Je croyais que j'étais à Sénat. Je dis il s'appelle Jésus-Christ. 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 Alléluia. Et la Bible dit la lumière fut. And Bible says there was light. Et Paul reprend cette parole. And Paul takes these words. Il dit la lumière brillera du sein de ténèbres. Oh, he said darkness will bloom in the midst of darkness. Et Dieu a fait luire. And God made the light shine. La Christ sur la face. Christ before the de face nos cœurs. Of our hearts. Alléluia. Amen. Christ est ta lumière. Christ is your light. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un. I would like to tell someone. Peu importe les ténèbres que tu peux vivre. Despite the darkness you may be in. Même si dans ta vie tu as l'impression que les choses sont confuses. If in your life you feel like you're in confusion. Les choses sont noires. The things are fog. Il est arrivé dans ma vie. In my life. Les choses avaient basculé. Things went from je me suis retrouvé en bas de l'échelle. I found myself at the bottom les of the stairs. Les gens m'ont piétiné. People were crossing les over me. Les gens m'ont humilié. People humiliated mais me. Dieu a dit. But God said, je vais lever ma lumière. I will raise my il light. S'appelle le soleil levant. He is called the light. Qui nous a visités d'en haut. He visited us from il s'appelle heaven. Le soleil de la justice. He is called the light of justice.
ténèbres, despite the darkness, dans lesquelles tu te retrouves, Jésus-Christ est la lumière. God, tu peux l'invoquer. Du sein des ténèbres, il viendra à ton secours. Laissez-moi vous dire, let me tell il y a eu dans la Bible un homme qui était un prophète. Il s'est retrouvé dans les seins des ténèbres, darkness, des abîmes. Of darkness. Il s'appelait Jonas. He was called Jonas. Il n'avait aucun secours. He had no help. Il était là, he was there, au fond de l'eau. Personne pour le secourir, ni son père, ni sa mère, ni sa famille, mais il y avait Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu n'as personne, sache que tu as Dieu. Alléluia. Quand personne ne peut te secourir, sache que tu as Dieu quelque part. Ton Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Et il est omnipotent. Peu importe ta situation, la lumière peut finir par se lever. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la durée, de ton problème, peu importe ton problème, si tu invoques la lumière, la lumière va jaillir. La lumière va briller. Jonas a invoqué le nom de l'Éternel, du sein des ténèbres. La lumière a jailli. Et la lumière, c'est la parole. Je dis la lumière, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Donc la parole, c'est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole qui est la lumière. Le poisson a entendu la voix. Le poisson a vu la lumière. Il a quitté les ténèbres et il a vomi Jonas. Et je prophétise, ta situation sera vomie. Quand on se confie en Dieu, ta situation sera vomie. Ton problème sera résolu. Au nom de... Je n'ai pas entendu au nom de... Au nom de qui? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, j'aime Dieu. I love God. C'est pourquoi David dit. That's what David would say. L'Éternel est ma lumière. The Lord is my light. Et mon salut. And my salvation. De qui aurais-je peur? To whom shall I fear? Le Dieu en qui je me confie, c'est la lumière. L'Éternel est ma lumière. The Lord is my light. C'est-à-dire quand tout est sombre, when everything is dark, il est ma lumière. God is my light. Même si tu es dans un couloir, tu ne vois pas le bout du tunnel. When you're in a hallway, you can't see il est ta lumière. He is your light. Il va t'éclairer. Il finira par t'éclairer. By enlightening you. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. De qui aurais-je peur? From whom shall I fear? L'Éternel est le soutien de ma vie. Is my salvation, de qui aurais-je crainte? Whom shall I fear? Lorsqu'on se confie en la lumière, when we trust in the light, on ne craint aucune situation. We fear no situations. On ne craint aucune épreuve. We fear no proof. Ah, oh, même si c'est dans la fournaise ardente, even if it's in the furnace, Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont dire ceci. They will say this. Sache que notre Dieu nous délivrera. Oh, il s'était su. Oh, au milieu du feu, ils seront délivrés. Ceux qui les ont jetés ont été consumés. Mais au milieu du feu, il y avait un quatrième homme qui a le visage d'un fils de Dieu. Quelqu'un dit, someone said, le feu est transformé en climatiseur. The furnace became to, it changed. It became cold in the furnace. Qui veut se confier en ce Dieu? Who wants to trust in the Lord? Je ne sais pas par quoi tu passes. I don't know through what you're je going ne sais through. Pas ta situation. I don't know your situation. Tu es là, tu te dis, c'est trop tard. But then you tell yourself, it's too fini. Late. It's over je for me. Personne. I have no one. Le mariage tarde. The wedding is late. Ma famille a la maladie. My family is ill. Telle situation, pas de solution. There's a situation, je no ne solution. Sais pas avec qui me tourner. I don't know to je go prie to. Tous les jours. I pray every day. Le mercredi, je suis là. Le vendredi, je suis à l'église. Le dimanche, je suis là. J'ai l'impression que les choses ne changent pas. That je suis venu change. Te dire encore un peu de temps. You, le Dieu en qui tu te confies finira par se lever. Peu importe la durée de la nuit, le jour viendra par se lever. Amen, 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 amen.
C'est pour cela que le prophète Esaïe a dit, Isaiah said, les ténèbres ne régneront pas toujours. Will not rule over my life. Je déclare que dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Will not always reign over your life. Dans mon ministère, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a eu un temps où on s'est moqué de toi, mais il y a un temps aussi où on va te célébrer. Il y a eu un temps où on t'a humilié, mais il y a un temps où tu seras élevé. Il y a eu un temps où on t'a fait un... Si on t'acclame pas devant, on va t'acclamer derrière. If they don't clap for you in the front, they'll clap for you behind. Vous avez des ennemis qui vous acclament mais par derrière. You have enemies that clap for you but from behind. Les ténèbres ne régneront pas. Darkness shall not reign. Toujours. Forever. Sur la terre. On the earth. Où il y a des angoisses. Where the anguish. Il dit si le temps passé était des temps de pleurs, were times of crying, de détresse, of distress, d'angoisse, of anguish, le temps à venir, the Lord, the time to come, de gloire. Will cover your il y a glory. Deux temps. Two times. Il y a le temps des hommes. There's a time of man, on appelle le Chronos. That we say the mais il y a aussi Chronos, le temps de Dieu. The time of on appelle le Kairos. That we call le the Kairos, temps de la visitation the divine. Time of visitation. Je suis venu te dire, I came to tell le temps de ta visitation arrive. Le temps où le soleil va se lever dans ta vie. Le temps où Jésus va dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Laisse-moi dire à ton voisin, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Oh, tape-moi la main de ton voisin. Dis, today is today. Aujourd'hui c'est ton jour. Qui le croit? Moi je crois. I believe it. Ah, moi je crois. I believe it. Je peux dormir dans une situation, demain je me réveille, ma situation change. I can sleep in a bad situation, tomorrow my situation will change. Je suis avec mon frère. I'm with my brother. Le pasteur aimé. And a sister. Il me connaît très bien. They know me very well. Et il sait quand on prêche comme ça. They know when we preach like this. Ce ne sont pas des histoires qu'on prêche. It's that thing that we preach. C'est la vérité. It's the truth. On est parti de nulle part. We came from nowhere. En bas. From the bottom. Mais quand Dieu décide de mettre le projecteur sur toi, il va te sortir de là où tu es. Et il va te mettre en haut. And will place you il a dit, top. Je ferai de toi la tête. C'est-à-dire le chef. Et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Dieu viendra à la queue et il te cherche, il te prend et il t'amène à la tête. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est ta lumière, mets ta confiance en lui. Trust God. Mets ta confiance en Dieu. Trust God. Mets ta confiance en Dieu. Je dis trust God. I'm telling you, mets ta confiance en Dieu. Crois en Dieu. Believe in God. Crois en lui, espère en lui. Believe and hope in him. Jamais tu ne seras confondu. Never you'll be in confusion. Quand tu sens que c'est fini, when you feel as if it's over, je n'ai personne. Say, you tell yourself, mais je lève les yeux vers le montagne. But I lift my eyes tout me vient dans les secours. Where my help will come from. Éternel, je n'ai que toi. Lord, I only have alors lève-toi. So rise. Et tu verras. And you will see. Si ce Dieu ne se levera pas pour that toi, God will not rise for les ténèbres ne régneront pas. Il y a des ténèbres dans une dimension, mais ça ne régnera pas toujours. Tu as échoué hier dans des études, tu réussiras demain. Ton mariage était difficile, demain ça va s'arranger. Alléluia. Tu as eu un problème, il y aura la solution. Jésus est la lumière. C'est pourquoi la Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, il est question de toi et moi, nous marchons dans les ténèbres, dans la confusion, a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Que cette lumière resplendisse. Pendant ces 21 jours où tu es en train de chercher Dieu. Que la lumière se lève dans ta vie. Let the light rise in your life. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Isaïe 42. Isaiah 42. Regardez dans Isaïe 42. Isaiah 42. Verset 6 au verset 7. Verse 6 to verse 7. Il est question ici de Christ. This is the question now of Christ. Vous lisez le contexte à partir du premier verset. If you start from the first verse. On parle du serviteur que Dieu allait soutenir. We're speaking of a servant of God that the Lord will go and help. En qui mon âme prend plaisir. In which my soul delights. Celui-là qui annoncera même la justice aux nations. The one who will announce justice to the nations. Il a dit ceci, et moi l'Éternel, Bible says, verse 6, I the Lord, je t'ai appelé pour le salut, have called you in righteousness. Je te prendrai par la main, I will take hold of et you je te garderai,
I will keep you. Je t'établirai. I will make you. Pour traiter alliance avec le peuple. To be a covenant for the people. La lumière des nations. And a light for the Gentiles. Pour ouvrir les yeux des aveugles. To open the eyes of the blind. Pour faire sortir de prison le captif. To free captives from prison. Et de leur cachot ceux qui habitent des ténèbres. And to release from the dungeon those who sit in darkness. Quand la lumière se lève. When the light Christ comes, se lève comme lumière dans ta vie, when Christ rises as light in your life, regardez les conséquences. Let's see at the consequences. Les yeux des aveugles s'ouvrent. The eyes of the blind are open. C'est-à-dire Dieu commence à t'ouvrir les yeux. This means God is opening your eyes. Frères et sœurs, tu peux être là en train de regarder, mais tu ne vois pas. Brothers and sisters, you can be here looking, but c'est you can't see. C'est pas pour rien que Dieu a posé la question à Jérémie, que vois-tu? That's what Jesus will ask Jeremy. What do you see? Il y a des gens qui ne voient pas. There are people who don't see. Jésus l'a dit, ils ont des yeux pour voir. Jesus said they have eyes to see. Mais ils ne voient pas. But they cannot see. Mais quand la lumière se lève, but when the light rises, le voile est ôté. The veil is removed. Et tu commences à voir. And you start to see. Tu commences à voir. You start to tu see. Ne vois plus le monde comme tout le monde. You don't see the world like everyone. Tu vois le monde avec les lunettes du Saint-Esprit. You see the world with the light, with tes the yeux commencent à s'ouvrir. Your light are starting to open. Je dis à quelqu'un, tes yeux vont commencer I'm à s'ouvrir. Someone, your eyes are opening. Il dit pour faire sortir de prison le captif. He said to free the captive. Tu vas te rendre compte que tu es dans des prisons. You gotta become aware that you're in prison. Et je vais développer plusieurs sortes de prisons. And I'm gonna speak on many types of prisons. Il y en a qui sont dans des prisons spirituelles. People are in spiritual prisons. Non, c'est la prison de la chair. The prison of the flesh. La chair est une prison pour the eux. The flesh is a prison for some people. Ton corps c'est la prison du péché. Your flesh is a prison for sin. D'autres c'est la prison de l'ignorance. Others it's ignorance. D'autres encore c'est la prison des démons. For others it's demons. They have them as prison. Quand la lumière se lève, and when the light shines, tu commences à sortir de toutes ces prisons. You start to come out of those prisons. Et tu commences à vivre la liberté. And you start to live in la freedom. La véritable liberté. The true freedom. Hallelujah. Amen. Et il dit pour faire sorti des cachots. And he says to remove from the ceux dungeon qui étaient dans les ténèbres. Those who are in darkness. Christ est la lumière. Christ is the light. Voilà pourquoi le jour est approché. Cette femme adultère. This adulterous woman. Que tout le monde voulait lapider. That everyone wanted to stone. On l'accuse. They're accusing her. Elle a mal fait. She has done something wrong. C'est vrai, elle a mal fait. It's true, she did something wrong. Mais il y a une grâce. But there's a grace. C'est vrai, tu es tombé. It's true, you fell. Là, je parle à quelqu'un peut-être qui est tombé. Now I'm speaking to someone who fell. C'est fini pour moi. And said it's over for me. J'ai perdu. I lost. Je ne peux plus me relever. I'm unable to come back up. Ça c'est la pensée des hommes. That is the thought of man. Mais selon le cœur de Dieu. But according to the heart of God. Il y a toujours une solution. There's always a solution. Il y a toujours une solution. There's always a solution. Tout le monde a la pierre. Everyone has a stone. Pour pouvoir jeter. Getting ready to throw. Pour pouvoir tuer. To kill. Pour blesser. To hurt. Pour accuser. To accuse. Acculer. To kill. Condamner. To condemn. Parce que nous sommes dans un monde de condamnation. Because we're in the world. Facilement te condamne. In the world, you'll be condemned. Vrai ou faux? True or not? Facilement condamne. Easily you can be condemned. Même dans l'église, y en a qui se condamnent. Even in the church, some people condemn amongst each mais other. Ce n'est pas le cœur de Dieu. But that's not the heart of God. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui veut amener quelqu'un à la repentance. The heart of God is the heart that wants to bring someone to repentance. Pas à écraser quelqu'un qui ne va not pas bien. Not to crush someone who's wrong. Quand on ne va pas bien, when you don't go right, on a envie d'être relevé. We want to be lifted back et non d'être écrasé à and nouveau. And not to be crushed. Et Jésus a vu ça. And Jesus saw this. Et il lève la tête. And Jesus said, il dit, lequel de vous est sans péché? None of you has no sin. Jette la première pierre. Throw the first la stone. Tous. I said everyone. Accusé par cette parole. Accused by cette the word of parole qui est la lumière. The word that was the elle light. Éclaire ta conscience. It shines upon your conscience. Et toi tu as vu l'adultère. And you saw the adultery. Mais tu as oublié que toi-même tu es hypocrite. When you forgot that you yourself you're a hypocrite. Toi tu as vu l'adultère. When you saw the adultery. Mais tu oublies que toi-même tu es menteur. You forgot that yourself you're a liar. Toi tu as vu l'adultère. You saw the adultery. Tu oublies que tu es escroc. You toi tu as vu l'adultère. You saw the adultery. Tu oublies que toi. When you forget that you. Tu calomnies. You live in sin. Avec ta langue. With your mouth. Tu perds. You insult people. Est-ce qu'on croit que le péché c'est que l'impudicité? Non. Fornication, la calomnie est un péché. La médisance est un péché. To stop someone that is sin. Accusé par leur conscience. Accused by their conscience. C'est pourquoi j'aime la lumière. That's why I like the light. Devant la lumière. Before the light. Personne ne se cache. Nobody is hidden. Parce que les yeux de Dieu. Because the eyes of God. Voient une fourmi noire. They see a sous une grosse pierre noire. In a big stone. Et pendant la nuit. And during the evening. Toi, il te voit clair. God sees you clearly. Regarde ton voisin, dit, il te voit clair. Okay, neighbor, God sees you clearly. Non, dis-lui, il te voit no, clair. Tell your neighbor, he sees you clearly. Continue à te cacher. Keep on hiding. La Bible dit tous. Bible says all. Du plus petit au plus grand. From the little to the big. Ils ont jeté les pierres. They left their stones. Et ils se sont retirés. And they went away. Quand Jésus lève la tête. When Jesus
stood his head. He asked a question to that woman. Où sont ceux qui t'accusaient? Where are those who accused you? Ils sont tous partis. They all left. Jésus la regarde. Jesus looked at the adulterous woman. Moi non plus, je ne te condamne pas. And said, me as well, I won't condemn you. Voilà la lumière. That is the light. Lorsqu'on se confie en lui, when we trust in God, on se dit, j'étais dans un péché, we tell ourselves, I was mais je sin, peux me relever. But I can come back je suis venu dire à quelqu'un, tu peux encore relever ta tête. Someone, you can lift up your si head tu again. Étais tombé, tu peux te relever. You can lift yourself up si again. Tu étais tombé dans un péché, if you fell in sin, Jésus est là pour te relever. Jesus is here to lift you back up. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Jesus said, me as well, I can't condemn mais une chose, so one thing for sure, va, go et ne pêche plus. And sin no more. Va, go et ne pêche plus. And sin no more. Et regardez la conclusion de Jésus. Now let's see the conclusion of Jesus. Jésus va parler maintenant aux gens. Jesus now goes to speak to the people. Il va dire, je suis la lumière du monde. I am the light of the world. Je suis. I am la lumière du monde. The light of the world. Je suis. I am la lumière du monde. The light of the world. Celui qui croit en moi. The one who celui qui se confie en moi. The one who trusts in me. Celui qui me suit. The one who follows se me. Se confier, c'est aussi suivre Jésus. The trust in God is to follow se confier, c'est aussi croire en Jésus. The trust is to believe il in ne God. Marchera plus jamais dans les ténèbres. They will never walk no je suis venu dire darkness. Le pouvoir des ténèbres. I have to say that the en face de la lumière, prends fin au nom de Jésus. La lumière de Christ. Brise le pouvoir du péché. La lumière de Christ. Brise le pouvoir de la maladie. La lumière de Christ. Brise le pouvoir des démons. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Il est la lumière de ta vie. Il est la lumière de ta famille. Il est la lumière de tes projets. Il est la lumière de ton avenir. C'est lui la lumière. Lorsque c'est en confiant en lui, on ne sera jamais. Je dis bien jamais. I say never. Dans la confusion. Being confused. Je dis jamais. I say never. Jamais. Never. Tu seras dans la confusion. You will not be in confusion. Que Dieu se révèle à toi. God reveal himself comme to la you. Véritable lumière. Like the true light. Cette lumière. It's a light. La Bible dit. Bible says. Qui vient dans le monde. He comes in the world. Elle éclaire tout homme. It enlightens all men. Elle éclaire tout homme. It enlightens all men. Et Jean est venu. And John came. Pour rendre témoignage à la lumière. To testify il n'était pas la lumière. He wasn't the light. Mais il est venu. But John came. Pour rendre témoignage. À la lumière. Of the light. Et il dit ceci. And he says this. La lumière est venue chez les siens. The light came before his people. Les siens ne l'ont pas reçu. And his own did not receive him. Mais but à tous ceux qui l'ont reçu. To all who received oh, quelqu'un me comprend. Oh, someone à tous ceux qui l'ont reçu. To all who received à ceux-là même qui croient en son nom. Lorsque name, tu reçois la lumière. When you receive the light. Lorsque tu crois en la lumière. When you trust in the light. Lorsque tu te confies à la lumière. When you trust in the light. La lumière te donne un pouvoir. The light is giving you oh, power. Je suis venu dire à quelqu'un. Ceux qui marchent dans la lumière. Those who walk in the light. Ont un pouvoir. They have the power. Voilà pourquoi. Les autres sont peur de toi. Les sorciers ont peur de toi, tu sais pourquoi? Parce que tu dégages une lumière. Ah, je suis venu dire, Jésus est notre lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir. Oh, tel que je suis, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne suis pas né selon la chair. I'm not born according to the flesh. Non, selon la volonté de mes parents. I wasn't born according non, to the selon la volonté des hommes. Not to the will of man. Mais selon la volonté de but Dieu. According to the will of God. Tu vas devenir quelqu'un de très dangereux. You're going to become someone of dangerous. Dans ta famille, les sorciers seront mal à l'aise. In your family, the witches je suis venu te dire au travail. At work. Tous les occultistes de ton travail seront mal à l'aise. Will not be parce que tu dégages la lumière. Because you're releasing the light. Oh, à l'école, vous qui allez à l'école. You will go to school. Vous allez rendre certains professeurs mal à l'aise. Non, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des enfants de lumière ici? Ah, est-ce qu'il y a des enfants de lumière ici? Tu as un pouvoir. Dis avec moi, j'ai un pouvoir. Dis, j'ai un pouvoir. Dis, j'ai un pouvoir. C'est beau de se confier en ce Dieu. It is so good to trust in God. Il y en a pour avoir un pouvoir, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'argent. They have power, they need money. D'autres, leur pouvoir, c'est quand ils ont un nom élevé dans la société. Others, their power comes from them being lifted up. D'autres encore pour avoir un pouvoir. Others have power. Ils doivent être dans un ordre quelconque. They have to be on another name, another level. Mais nous avons juste la lumière. But we just have the light. Un nom. A name. Le bon nom que nous portons. The good name that we carry. Nous portons ce trésor. We carry the street dans les vases de terre. Nous portons ce trésor we carry that reason dans un vase de terre in a phase of earth, afin que la grande puissance so that the great power soit attribuée à nous. May it be come to us. C'est un pouvoir. It is a power. Et ce
c'est aussi une puissance. La puissance de marcher, d'écraser. Ah, les serpents. Non, non, je n'ai pas entendu quelqu'un. Les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Pendant que Dieu est en train de les écraser, ils n'ont pas envie de t'attaquer. Mais quand ils essaient de t'attaquer, la lumière te protège et il y a un contre-attaque. Oh, je suis venu te dire, attaque contre attaque, attaque contre attaque, attaque contre attaque, attaque contre attaque. Amen, 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 amen. Levons-nous, let us stand. Levons-nous dans la présence de Dieu. Levons-nous, nous voulons prier. Let us stand, let us stand. Levons-nous, commence à prier déjà. Commence à prier. Selon que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Commence à prier, commence à prier. Start to pray. Commence à prier, commence à prier. Start to pray. Begin to pray to the Lord. Commence à prier à l'Éternel. Commence à prier à l'Éternel. Adresse une prière à l'Éternel selon l'Esprit de Dieu. Adresse une prière à l'Éternel selon l'Esprit de Dieu. Te conduit. Que Jésus. Par la puissance et l'honneur de notre nom. Prie, 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 prie. Pendant que la chorale chante. De Jésus, notre nom. Notre nom. When the care of my skull flow, shall my soul grow. In my skin, pray, no by the way. Prie, prie, prie. Dis à Dieu que ta lumière luise dans ma vie. Que la lumière de Dieu luise dans ma vie. Prie, prie. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour tes parents. Prie pour tes projets. Prie pour ton futur. Prie pour ton avenir. Oh, shout of heaven. Fini la confusion.
confession. Fini la confusion. Fini la honte. Fini la honte. Fini la confusion. Fini la honte. Au nom de Jésus, l'Éternel est ma lumière et mon salut. En toi je me confie. En toi je me confie. Au Seigneur. Au Seigneur. Voix de gloire. Au Seigneur. Au Seigneur. Au Seigneur. Au Seigneur. Father, love you. Father, need you. Father, love you. Father, worship. Father, worship. Father, worship. J'aimerais que chacun de nous puisse prier en battant les mains. To pray while nous allons chercher toutes sortes de ténèbres. We're gonna cast away all dans sorts nos of darkness in our lives. Toutes sortes de ténèbres all sorts of darkness qui envahissent nos vies, that took over our nos lives, projets, our projects, nos familles, our families, tout ce qu'on a entrepris. Everything that we had. Toi qui entreprends des choses, if you're in business, mais tu n'arrives jamais à l'aboutissement. But you can't, you don't come to quelque fulfillment. Chose arrive pour que ça avance. There's something that comes to ce soir, the problem. Tonight, nous allons briser ces choses. We're gonna break these things. Commencez à prier avec moi. Battons nos mains. Si tu peux battre clap your hands, prie, clap your hands. Begin to pray. Commence à déclarer. Commence à renoncer. Commence à détruire tous les projets de l'ennemi. Au nom de Jésus. Name of Jesus. Oh. Toutes sortes de ténèbres. Fini aujourd'hui. Fini. 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 Les ténèbres de la maladie, fini. Les ténèbres de l'échec, fini. Les ténèbres du divorce, fini. La rébellion des enfants, fini. Au nom de Jésus. Les ténèbres de conflit, fini. Que la lumière de Dieu vienne. Ta lumière. Ta lumière. Change ma vie, mon Dieu, change mon histoire, mon Dieu, je t'implore, mon Dieu, je t'invoque, mon Dieu, ce soir, agis, oh, Seigneur, agis. J'invite le pasteur et même à prier, viens prier. Invoque l'Éternel, invoque l'Éternel, invoque l'Éternel, que l'Éternel te fasse du bien, en le nom de Jésus. L'Éternel est ton plus grand bien, l'Éternel est ta guérison, l'Éternel est ta prospérité, ta bénédiction, l'Éternel est celui qui entend ta voix, l'Éternel est le Père des orphelins. Oui, le défenseur des veuves, il est ici, Éternel. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est là pour venir en aide. Il est là pour exaucer tes prières. Il est là pour recevoir ta requête. Élevons le nom de l'Éternel. Élevons le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous n'avons point d'autre nom dans le ciel, sur la terre, qui nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Dans le nom de Jésus, invoque l'Éternel. Qu'une femme puisse invoquer l'Éternel. Dans le nom de Jésus, le plus beau nom, le nom qui est élevé au-dessus de tout, le nom qui est élevé au-dessus de tout. Aucun démon ne peut résister, aucune maladie ne peut résister. Il est la lumière du monde, la lumière du monde. Invoque la lumière. Je vois la lumière entrer dans la vie d'une femme. La lumière entrer dans la vie d'un homme. Je vois la maladie quitter un corps.
femme. Je vois la sorcellerie à le nom de Jésus. Quitter un couple. Je vois les divorces s'abandonner. Il est là, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Aucun autre nom, le nom de Jésus. Aucun autre nom. Le seul nom qui nous a été donné. Le nom qui est merveilleux. Le mystère caché, mais qui a été révélé dans ce dernier temps. Le mystère caché qui a été révélé. Le nom de Jésus. Déclare la victoire dans le nom de Jésus. Déclare l'élévation dans le nom de Jésus. Déclare le changement dans le nom de Jésus. La protection dans le nom de Jésus. La préservation dans le nom de Jésus. Ah, Jésus est ici. Emmanuel est parmi nous. Oui, Emmanuel est parmi nous. Oui, Emmanuel, tu es parmi nous. Oui, Emmanuel est là pour essuyer les larmes. Oui, Emmanuel est là pour transformer. Il est là pour changer. Il est là pour relever. Il est là pour essuyer les larmes. Il est là pour guérir les blessures. Il est là pour changer. Il est là pour ôter le fardeau de ta vie. Emmanuel est là, il est là, il est là. Invoquons l'Emmanuel. Invoquons Emmanuel. Invoquons Emmanuel. Et le rocher des âges. Oh, invoquons l'Éternel. Invoquons l'Éternel. Alléluia. Levons nos mains vers Dieu. Let's raise our arms before the Lord. Lift up your hands before the Lord. You believe en lui. In him. Tu espères en lui. You hope in him. Il est ta lumière. He is your light. Il descend maintenant. He's coming down now. Sur ta vie. Upon your life. Sur ta vie. Upon your life. Sur ta famille. Upon your family. Sur ton problème. On your problem. Sur tes projets. On your projects. Toute situation. All situations. Qui te chagrine. That is panic. It comes against you. It wants to make sa you suffer. Vient. God's light is sa coming. God is that is showing. God's light is showing. His light is showing. Soudainement. Suddenly. Soudainement. Right now. Soudainement. Right now. À l'instant même. Right now. Tout à coup. Sa lumière. His light. Apparaît. Is shining. Maintenant. Now. Dans ta vie. In your life. Les choses. Things. Ne seront plus comme avant. Will not be like they were je before. Les choses. I say things. Ne seront plus comme avant. Will no longer be the same. Les choses. Things. Ne seront plus comme avant. Will not be as they were before. Visite. God is visiting Dieu you. Te visite. God is visiting you. Alors que tu as les mains levées, as you have your hands lifted tu up, à Dieu. You're waiting for the Lord. Ton problème, your problem que Dieu connaît, that God knows. Il règle cela. He's fixing it maintenant. Now. Maintenant. Now. Il y a un shift. There's a shift. Il y a un shift. There's a shift. Il y a un shift. There is a shift. Tu sors de ce programme. You're coming out of that program. Avec la victoire. With victory. Parce qu'on se confie en lui. Because when we trust in God. Jamais on sera dans la confusion. We will never be put to confusion. Jamais on sera dans la confusion. Never shall we be put reçois to confusion. Receive your portion. Reçois ta part. Receive your portion. Reçois ta part. Receive your portion. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. La paix intérieure. The peace. Reçois cela. Receive le peace. Shalom de Dieu. Receive the shalom la of God. Restauration. Receive the restoration. La délivrance. The deliverance. La liberté. The freedom. La faveur. The favor. La bénédiction. The blessing. Au nom de Jésus. In the name of la Jesus révélation Christ. De Jésus. The revelation of Christ. Les écailles tombent de tes yeux. The scales are falling from your eyes. Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. You're going to enter a new dimension. Dans l'adoration. In worship. Dans la communion avec Dieu. In the fellowship with dans God. La profondeur avec Dieu. In depth with God. Et ta vie ne sera plus jamais and la your même. Life will no longer be the same. Alléluia. Oui. Alléluia. Je sens